apprendre à me connaître. Je serais déçu, mais bon, je suis pas un innocent. Je sais ce que c'est qu'un cheval de course, mais je compte la gagner. Essayez de sourire jusqu'au bout. Il est con. Allez Bruno! Mais on a giclé, contrairement à ce qu'on. Moi, la jument, elle a redonné un bon coup de rein sur la gagnante, on allait vite pour finir. Donc. Une joie un petit peu particulière au passage du poteau, c'est la première vraie belle que tu gagnes cet hiver monté? Pour mon entraînement, j'ai dû gagner deux courses montées. Et montée, je viens de gagner un groupe 2 avec Al Capone Jet quand même, donc bravo Yann. Hein, on la mettra dans le bêtisier celle-là. Bravo. Ouais. Voilà. Chiate. Froki, Beckman, il a eu le parcours en or cette fois-ci. Bah ouais, on va pas être malheureux à chaque fois. Pouvez vous serrer un tout petit peu? Tu nous amènes des autres. Tes sensations, Suki? Le cheval était bien, il est souple. Eric, le mot de la fin? C'est la classe. Oui. Je dis, s'il ne s'offre pas, on continue. Le moment quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on arrête tout de suite. Oui, on ne compte pas, nous. C'est parfait. Non, c'est bon, vous êtes tous. Hein. Ah bon, pardon. Mike, tu vas le driver en compétition? Peut-être. Oui. Oui. Allez, bravo Isabelle. La 50e victoire. Nos déchets, il faut bien en faire quelque chose, mais est-ce que l'Orne doit être la poubelle de l'Europe? Je n'en suis pas sûre. Oui. Non. Le congélo, les frigos, le micro-ondes, la gazinière, la friteuse. Il y a tout ce qu'il faut. Souvenir, c'était prix de l'Union Européenne, ça rentrait après le Canada, et puis la course au Canada. Parce qu'arrivé au Canada, les Canadiens se foutaient un peu notre gueule quand même.
en disant ouais, soi-disant que c'était un crack. Et après la course, ils sont tous venus nous voir en nous disant bravo, c'est un super cheval. Ils n'ont jamais vu ça, un cheval faire quasiment le parcours en deuxième épaisseur né au vent et à 4 mètres du pieu venir titiller le gagnant. Je le souhaite à tout le monde de tomber sur un cheval comme lui, parce que c'est de beaux souvenirs, de grandes expériences. C'est un régal. Et il aime la caméra. Ouais. Bon, il a envie de la revoir. Sébastien. Tu courais quoi? Attends. Cri de sélection. Tu cours quoi? Si. J'en mets deux, j'ai deux cartouches en fusil moi. Et deux bonnes. Pas. Tu vas pas en doubler? Bon alors vas-y. C'est bon? C'est bon. Que lui. Hein. Quand t'as son sale, tu remets ça, tu vas se rappeler. C'est ce que je dis. Nettoyage. T'as deux minutes là ou quoi? Oui. 9 si tu veux. 9 ah, ça va être juste. Hein. Et cinquième en 2013, le numéro 6, c'est Royal Dream qui passe devant nous. Il est le gagnant du Grand Prix d'Amérique de 2013, gagnant du Grand Prix de France de 2012 et deuxième en 2013. Le numéro 7, c'est Open Quick avec Jean-Michel Bazir, gagnant du Critérium des 5 ans en 2013. Il est le deuxième. Elle accélère, elle accélère, elle accélère, elle accélère, elle accélère. D'être battu de peu ou pas de peu, c'est pas la chose, c'est surtout que je suis battu par une erreur. Je me suis pleuré, ça m'a fait vraiment mal au cœur, mais vraiment c'était incroyable d'être ici, il y a une ambiance super, vous êtes au top, vraiment, je voulais revenir. Voilà, et je peux vous dire que les spectateurs qui sont avec nous sont venus pour les champions, mais ils sont aussi venus vous voir aujourd'hui, vous avez participé à une séance de dédicace, et je sais qu'il y a beaucoup de petites filles qui se disent, bah moi aussi j'aimerais bien être comme Flora un jour Miss France. On leur souhaite, bien sûr, elles viendront à notre rencontre tout à l'heure. Il est là, Laura Spin, on l'applaudit, il est bien en groupe. Bon, bien, félicitations. Merci, Drey. Très bien drivé. Ah oui, je sais pas, mais c'est bien drivé, le cheval était bien. Les autres, ils étaient fatigués. Hein. Les autres fatigués, toi, t'es arrivé bien okay. Prêt. Okay. Merci. Bah, on est encore que second pour l'instant. Mais... Allez au galop. Pourquoi t'as levé le bras alors que t'es deuxième, Imagine, moi je rentre pas. Regardez quand il rentre en bras sur son pion. Il est super exceptionnel. C'est lui qui a 23 devant. C'est un cheval généreux, voilà. C'est lui qui a décidé de terminer comme ça. Mais faut pas lui en vouloir, les poulains vont courir. L'histoire de Rédigage n'est pas terminée. Enfin, merci beaucoup public d'être tous nombreux parce qu'il fait très froid. Merci. Et Philippe. Il rigole déjà. Moi. Soyez prévenus dès qu'une vidéo est postée en vous abonnant gratuitement sur Facebook à 2h, YouTube à 2h et bien évidemment Twitter Yann à 2h. Vous avez également la possibilité de nous regarder sur le site à2h.com bien évidemment.